aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour dire comment j'ai eu tous ces trucs Monserail. Alors, on va commencer par la Cléora. Enfin, je vais d'abord vous dire comment j'ai connu Monserail. En fait, c'est quelquefois sur YouTube, j'allais regarder des vidéos. Par exemple, je sais pas, n'importe quelle vidéo. Et je connaissais pas encore Monserail. Et j'ai vu une pub Monserail et j'ai dit, ah mais ça a l'air bien. Alors j'ai tapé Monserail sur internet. Et puis là j'ai trouvé Monserail, saison 1, épisode 1, voilà et tout. Et du coup j'ai dit, ah mais c'est ça et tout. Je savais pas encore qu'il y avait des poupées. Et un jour on allait à Kim jouer et on a vu des poupées à Monserail. On a dit je peux en acheter et on a enfin j'ai pas crié comme ça mais on a demandé à notre père est-ce que je peux en acheter et tout et bah, il a dit bah vous avez pas tout et tout parce que j'avais pas tout avant et puis voilà et donc après c'était le et donc après c'était l'anniversaire de ma soeur bientôt et on a reçu Draculaura comme ça et vu que moi j'ai un mois plus tard, j'étais trop jalouse que Talia, enfin, que ma sœur, ait eu Draculaura. Alors, j'ai demandé Frankistin, et papa, mon père, me l'a acheté. Et ensuite, ma sœur était jalouse que je l'ai eu. Au même moment, au même magasin, elle a demandé à avoir Goulialiel Pyjama Party. Ensuite, j'étais aussi jalouse parce qu'elle avait plus de poupées que moi. J'ai demandé un jour, on est allé à qui jouer, j'ai demandé à avoir Vénus. Et elle, ma sœur, vu qu'elle était jalouse, elle a décidé d'avoir Spectra Van der Guest. Moi, j'étais toujours jalouse, mais j'ai eu de la chance, c'était bientôt mon anniversaire. Et à mon anniversaire, j'ai reçu deux poupées. Claudine Wolf. Et... Elle est où? Ah! Et... Oh, elle est passée où cette poupée? Ah! Désolée, je cherche une poupée parce que... Ah oui! Et ensuite... Laguna Blue avec sa capsule aquatique. Et puis ensuite, Talia était toujours jalouse et puis moi aussi parce qu'elle avait plus de poupées que moi. Et en plus, je voulais commander Abby Bobinable, mais à Noël, j'ai reçu Abby Bobinable. Et j'ai aussi reçu le lit à Frankie. Et après, ma soeur a reçu elle, donc elle, et... Elle, la voilà, elle appelle Frankie. Et puis ensuite, vu qu'on avait presque le même nombre de poupées, on est allé à qui jouer parce qu'on avait plein de sous. Et on s'est acheté les créates à Monster. Et les voilà. Donc celle-là et puis celle-là. Donc c'est la fille de glace. Voilà. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. La perruque à la fille de glace. Donc elle est horrible, mais alors horrible sans sa perruque. Je la déteste sans sa perruque. Bah franchement, je peux pas l'aimer. Et voilà. Et donc il y a un petit truc là. Je sais pas si que vous le voyez. Là. Voilà. C'est horrible, moi je trouve, sans sa perruque, parce que regardez comme elle est moche. Et regardez avec. Donc avec elle est comme ça et sans elle est comme ça et donc après il y a ça c'est vrai qu'avec une main c'est très difficile non je vais lui arracher la tête avec hein. Oh, je suis obligée ça continue pas la force de
pas la force de Hulk. Hein. Ah, c'est bon. Je vais vous montrer. Et voilà, et puis du coup, elle, c'est sa perruque, mais elle est hideuse. Oh, mais je la... Voilà. Et puis sa perruque, elle est pas pareille. Là, c'est des comme des vrais cheveux. Puis là, c'est tout mousse. Et puis ça se coiffe pas. Alors que là, par exemple, ça peut se coiffer. Là, vous voyez que ça bouge. Alors que là, ça bouge pas. Hein. C'est horrible sans ces perruques. C'est horrible. Je vais la... Et donc, c'est comme ça qu'on a eu nos 12 poupées Monster High. J'ai bien dit 12, hein, j'en ai 12. Pour ceux qui veulent savoir combien j'en ai 12. Et voilà comment j'ai connu Monster High. Je vous l'ai dit au début et je vous ai montré toutes mes poupées. Au revoir, à bientôt.